Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Au-delà de l'élevage, c'est la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté que vise le Burkina à travers deux réalisations majeures. Le président du FASO, Blaise Compaoré, a notamment inauguré aujourd'hui l'usine d'aliments pour bétail de Koubri. Une nouvelle cité, baptisée Cité des Dauphins, poussera bientôt à la périphérie sud-ouest de Ouagadougou. Les promoteurs apportent leur contribution à la résolution du problème de logement des Burkinabés. Ainsi donc, deux réalisations pour booster le secteur de l'élevage au Burkina. Le président du FASO a inauguré ce matin à Koubri, commune rurale située au sud de Ouagadougou, l'usine de fabrication d'aliments pour bétail et procédé à la pose de la première pierre du projet de développement de l'élevage laitier. L'usine de fabrication d'aliments pour bétail a vu le jour grâce à la coopération avec la Chine Taïwan. Reportage Salinana. C'est la concrétisation d'un projet intégré initié en 2003 par la coopérative des producteurs de lait. 10 ans après, les machines de cette usine de fabrique d'aliments pour bétail sont mises en marche par le président du FASO. Cette usine, d'une capacité de production de 5000 tonnes par an, vient répondre aux besoins des différentes filières de production animale. Parce que les nouvelles races ont besoin d'autres alimentations. Vous savez qu'au Burkina, l'élément capital dans l'élevage, c'est la complémentation. Et face aux exigences de ces nouvelles alimentations, au niveau de la coupe de lait, nous avons pensé qu'il était bon de donner à ces aliments performants une alimentation adéquate, afin qu'ils puissent produire beaucoup de lait pour augmenter non seulement la qualité et la quantité de lait, et réduire les coûts de production. Pour sa réalisation, la société de fabrique d'aliments pour bétail a nécessité la somme de près de 4,5 milliards de francs CFA grâce à l'État burkinabé et au soutien financier de la Banque islamique de développement. L'usine est équipée d'une technologie de pointe et fait d'elle l'une des premières dans la sous-région ouest africaine en matière de fabrication d'aliments pour bétail. Ici, nous avons une infrastructure qui va résoudre peut-être, j'allais dire, 1/7 de nos besoins. Nos besoins nationaux, c'est 700 000 tonnes par an. Cette usine, c'est 100 000. Donc, ce que le président du FASO nous a conseillé de faire, c'est de voir si on peut avoir une usine de ce type-là dans les régions d'élevage par excellence. Aux côtés de la SOFAB verra le jour très prochainement une autre usine pour le développement de l'élevage laitier ici à Koubri, zone périurbaine de Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé compte multiplier les initiatives pour concevoir, produire et mettre à la disposition des éleveurs des aliments complets et enrichis pour bétail et à des prix abordables. Le président du FASO qui s'est exprimé après l'inauguration de la SOFAB et la pose de la première pierre du PDL-ZPO a souligné l'importance que constituent ces réalisations pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Blaise Compaoré au micro de Salinana. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette infrastructure de grande qualité, nous allons pouvoir non seulement traiter cette question de la promotion de plus forte de notre élevage, mais aussi permettre à nos populations de pouvoir, à travers d'autres soutiens qui vont venir accompagner cet élevage, d'être beaucoup plus opérationnel, mais de contribuer davantage, comme je le dis, à l'élargissement et à conforter notre économie. Car avoir des milliers d'hommes et de femmes dans la campagne qui vont s'occuper de la production laitière, c'est déjà des emplois, ce sont des revenus. C'est aussi éviter l'exode rural. C'est un grand pan de notre économie qu'il nous faut à travers cette filière production de viande, mais production laitière, transformation, donner plus de force à ce secteur de l'agriculture dans notre pays, car le Burkina est avant tout un pays agricole. La mise en place des interprofessions dans le secteur de l'élevage a connu son épilogue hier à Koudougou avec l'installation des interprofessions du porc et du lait. L'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques vise à promouvoir des filières comme levier de l'accroissement de la productivité et des productions à travers une meilleure organisation des producteurs. Reportage Lazare Pouya. C'est depuis 2011 que l'initiative d'organiser les producteurs dans les structures professionnelles puis interprofessionnelles avec l'accompagnement technique de la Direction générale des productions animales et l'appui financier des partenaires a vu le jour.
Le processus a permis de mettre en place les structures interprofessionnelles volailles locales, volailles modernes et bétail viande. Il s'est achevé ce 19 décembre à Kourougou avec la mise en place de deux structures interprofessionnelles porc et lait. Voici les membres des organisations interprofessionnelles lait et porc. Ils ont désormais la lourde mission d'œuvrer pour la défense de leurs intérêts. Nos missions, c'est défendre les intérêts de nos membres, aider à la formation de nos membres pour connaître les lois qui régissent les interprofessions et défendre nos intérêts. L'initiative de se retrouver en union nationale, puis en interprofession, témoigne de l'engagement des acteurs du secteur de l'élevage à accompagner le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Avec la mise en place des interprofessions porc et lait, ce sont au total 5 structures interprofessionnelles qui ont vu le jour depuis 2011. Ces entités vont nous permettre effectivement de toucher du doigt les problèmes réels que vivent en fait ces acteurs directs, afin donc de les impliquer eux-mêmes en fait dans le processus de résolution donc de ces contraintes-là, pour qu'il y ait une véritable promotion des filières et en retour que les acteurs directs puissent vivre de leurs activités convenablement, parce que nous aurons ensemble donc résolu les différentes contraintes pour effectivement que la recherche voulue à travers donc la promotion de ces filières soit une réalité. Et pour que cette réalité soit bénéfique pour tous, il faut que les structures interprofessionnelles soient un véritable cadre d'échange d'expériences, de dialogue et de négociation indispensable à la promotion des différentes filières. Nouvelle cité sortira bientôt de terre à la sortie sud-ouest de Ouagadougou. Elle n'est pas encore construite, mais elle a déjà un nom. C'est la cité des dauphins. Les promoteurs de cette cité ont organisé une conférence de presse pour marquer le démarrage officiel des travaux des 100 premiers logements. Abdelaziz Yagibou. Des logements décents dans un cadre de vie agréable et sécurisé. Cette vision du groupe BTM de faire de la mixité sociale une réalité dans cet espace en y dressant plusieurs standings de villas, passe des mots aux actes. Les villas TES sont sorties de terre et cette superficie d'environ 97 hectares, acquise depuis une dizaine d'années par l'entreprise, s'apprête à accueillir les 100 premières villas. Des villas de type F4 qui marquent la première phase du projet BTM IMO, baptisé la cité Les Dauphins. Ce n'est pas le nom du mammifère. Ici, on veut parler de l'héritage, le dauphin. Et comme ces villas seront des villas solides, on se dit après, parce que quand on achète un logement, on ne l'achète pas pour soi-même, on l'achète pour l'héritier, les héritiers après. Donc c'est pour ça qu'on a mis le nom Dauphin, pour rassurer les acquéreurs et puis les souscripteurs, pour leur dire qu'ils ont affaire à des villas solides et qu'ils ont affaire à des villas pour toute leur génération. Cette première tranche dont la présente conférence consacre le lancement des travaux mais aussi des souscriptions intègre des infrastructures socio-communautaires, des bitumes ainsi que des canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales. L'État seul n'est pas en mesure de pouvoir répondre à travers sa politique des cités à la demande. L'autoconstruction par des particuliers comme vous et moi, c'est important. Les promoteurs immobiliers, c'est important. Et donc, plus la chaîne va être remplie, plus on aura de maisons et naturellement, ça va rendre les maisons aussi en quantité. Et puis forcément, ça va aussi, la concurrence va faire jouer et les prix vont permettre donc au maximum de Burkinabés d'avoir des logements. Ce pari d'apporter sa touche à l'édification d'une capitale moderne, le groupe BTM entend le gagner avec le concours de la BOA. Avec notre partenaire, la BOA, ça dépend. C'est-à-dire que lorsque le souscripteur il vient vers nous, il a la possibilité de payer au comptant. Donc c'est une entente entre le souscripteur et la société. Et le paiement est dû à la remise des clés. Dans le cas contraire, nous envoyons nos clients vers la BOA, qui est notre banque partenaire. Et si le dossier est accepté, le client bénéficie d'un crédit bancaire, donc sur une période allant de 5, 10, 15, 20 ans. Selon les standings, les coûts de ces villas qui seront bâties ici oscillent entre 33 millions et 345 millions de francs CFA. La première tranche de cette cité qui prend progressivement corps sera livrée en juin 2014.
L'économie verte, enjeux et opportunités pour un développement durable au Burkina. C'est autour de ce thème que s'est tenue à Ouagadougou la 4e conférence du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, CONED. La gestion des terres, les changements climatiques, les modes de consommation étaient au centre de la réflexion. Reportage Maxime Zongo. L'économie verte comme source de développement accéléré et de lutte contre la pauvreté, un enjeu et une opportunité dans cette 4e conférence du Conseil national pour l'environnement et le développement durable a permis de jeter les bases. Afin de relever le défi de sa vulgarisation, des débats larges ont permis de cerner la problématique dans toute sa complexité. Cette conférence, qui est une instance du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, nous a permis d'adopter nos dossiers statutaires. Notre rapport depuis 2009 jusqu'à ce jour, notre programme d'activité de 2014 à 2017, l'adoption du rapport sur l'état de l'environnement avec autorisation de diffusion, également le rapport sur les commissions spécialisées, qui sont également un organe du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, avec une indépendance vraiment dans leurs réflexions. Et également, nous avons évalué les recommandations que nous avons prises depuis 2009. Au regard de l'importance du thème, des experts ont été sollicités pour une contribution technique. Pendant 3 jours, les participants repartis en commissions spécialisées ont réfléchi sur la gestion durable des terres, les changements climatiques et la prévention des catastrophes, les modes de consommation et de production durable. Et tous les participants sont convaincus de la pertinence du thème. Et tous les participants sont convaincus qu'il faut que nous tendions vers ce qu'on appelle la promotion de l'économie verte. Et comme nous avons adopté une politique nationale de développement durable, cette politique nationale de développement durable englobe, intègre l'économie verte. Au terme des travaux, des propositions de réformes institutionnelles, de recommandations et de délibérations ont été formulées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à la clôture des travaux, a apprécié positivement les résultats obtenus et invité par la même occasion l'ensemble des acteurs à développer davantage d'initiatives. Des initiatives novatrices à même de contribuer à la réalisation de cette ambition dans les 5 années à venir. La radio-télévision ivoirienne RTI fête ses 50 ans à travers plusieurs manifestations. Ainsi, une conférence publique animée par le président de la HACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, Ibrahim Sissavané, a porté sur les médias publics une marque à renforcer. La question de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire a été aussi évoquée. Reportage de notre envoyé spécial, Moumouni Soubega. La radio-télévision ivoirienne RTI, qui souffle aujourd'hui ses 50 bougies, a été créée en 1963 sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny. L'évolution de cette chaîne connaîtra par la suite des turbulences à l'image du pays. Touchée en 2011 par des hostilités de la crise, elle interrompt brièvement ses programmes. Après avoir diffusé les programmes de la télévision Côte d'Ivoire TCI, la RTI retrouve sa forme actuelle avec l'arrivée du nouveau régime. Aujourd'hui, anciens comme nouveaux se sont donné rendez-vous au siège de la RTI à Cocody pour célébrer les 50 ans de cette chaîne. Les festivités des 50 ans de la RTI interviennent à l'aube du passage de l'analogique au numérique et les responsables de cette chaîne mesurent l'ampleur des défis à relever. Maintenant, nous avons de nombreuses chaînes venues d'Afrique, mais également de différents pays du monde qui se battent aussi pour capter l'attention des auditeurs. Donc nous devons trouver ce qui fait vraiment notre différence et notre force. En Afrique francophone, la RTI est la 2e chaîne à voir le jour après la RTB, qui a aussi reçu les félicitations du Premier ministre, parrain de la commémoration des 50 ans de la RTI. Daniel Kablan-Dunka a d'abord rendu un vibrant hommage aux travailleurs avant de dire ce qu'il attend de les années à venir. Il faut innover davantage et toujours. Pour faire des programmes de RTI, des médias audiovisuels du peuple, valorisant notre riche culture. Au-delà des liens séculaires qui lient le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, la RTI et la RTB entretiennent également des relations de partenariat. Et c'est tout naturellement que les responsables de la chaîne au cœur des grands événements viennent témoigner leur solidarité. Le traité d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays, le Burkina Faso et la
la Côte d'Ivoire a été portée également par un protocole qui implique nos départements respectifs en charge de la communication. Notre présence aux côtés de la RTI aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de solidarité, dans une dynamique de partage d'expérience. Un moment de souvenir, mais aussi un moment de reconnaissance. 75 travailleurs, dont des pionniers de la RTI, ont reçu des distinctions pour services rendus à la nation. Pour beaucoup, cette date restera longtemps gravée dans les mémoires. Je garde en tout cas de mes 39 ans de service ce souvenir vivace d'une maison de communication qui en voulait et des jeunes gens arrivés avec un certain bagage, mais qui avaient affronté tous les défis de l'époque. Les festivités des 50 ans de la RTI vont durer 3 jours et seront marquées par des activités culturelles et sportives, ainsi que des conférences sur les thèmes relatifs au traitement de l'information par la RTI et par les médias publics. Décoration en Côte d'Ivoire, décoration au Burkina. Les cérémonies de décoration se poursuivent à travers les départements ministériels. Hier, le ministère de la Communication a salué l'abnégation au travail de 26 agents qui se dévouent depuis des décennies à informer et divertir auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. C'est Sylvestre Da. Salut au drapeau, exécution du litanien, la solennité de la cérémonie de cet après-midi du 19 décembre dans les jardins de la télévision du Burkina est tout en l'honneur de ces agents du ministère de la Communication. Ils sont au nombre de 26 à qui la nation burkinabé rend hommage. Pour leur abnégation au travail et leur sens du patriotisme, ils sont décorés de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication. 25 d'entre eux ont reçu les médailles de chevalier et un récipiendaire est élevé au rang d'officier. Le tout avec agrafe radio-diffusion, télévision, presse écrite. C'est donc partagé entre sentiments de joie, de fierté, mais aussi de reconnaissance que chacun des récipiendaires arbore sa distinction et parmi eux, on dénombre une quinzaine d'agents de la télévision du Burkina. Cette médaille, je la dédie surtout aux téléspectateurs. Parce qu'après 24 ans à la télévision, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je suis très comblé. Je voudrais aussi remercier les responsables de la RTV qui m'ont proposé cette décoration et dédier cette médaille à tous les agents de la RTB, tous les agents tout confondus, aux agents du service Image et Lumière tout particulièrement, tant bien sûr oublier de dédier aussi la médaille à ma famille. Après 30 ans de service, quand on te décore, tu es vraiment content. Voilà. Et pour les jeunes, je dis qu'il ne faut jamais se décourager, il faut toujours persévérer, il faut toujours travailler, ne pas penser même à la médaille, ça va venir comme ça un jour. Et je dédie cette médaille tout d'abord à ma famille qui n'a ménagé aucun effort pour que mon travail puisse aller de l'avant. Je la dédie également à mes proches collaborateurs qui pour leur soutien tout au long de cette carrière. Moi je voudrais remercier infiniment le Dieu Tout-Puissant que je mets au devant de toutes choses. Bon, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de gaieté et surtout de reconnaissance. Pendant 24 ans, j'ai essayé de rendre service à la nation, particulièrement à la télévision nationale où j'ai réalisé un certain nombre d'émissions qui ont plu, qui n'ont pas plu, mais je reste persuadé quand même que j'ai apporté ma contribution à la promotion de la télévision sur le plan national et sur le plan international. Donc je pense que cette médaille, c'est quelque part un mérite. Et bon, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que j'ai cette médaille. Merci. Chacun de ces agents décorés totalise plus de 20 ans de service. Mais pour le département de la communication, les désignations sont faites surtout sur la base du mérite, dans le respect bien sûr de l'ensemble des critères définis par la grande chancellerie. Cela constitue pour nos administrations, pour ces agents eux-mêmes ou pour les cours de ces agents, des moments de réflexion pour envisager comment mieux s'impliquer et aux actions de développement de notre pays. Et c'est pour vous dire aussi toute ma satisfaction et mes félicitations à l'endroit et des récipiendaires du département de la communication qui ont reçu cette reconnaissance de la nation. L'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication a été créé en 1998 pour récompenser les écrivains, les artistes, les hommes de la culture et de la communication qui se sont illustrés par leurs actions et leurs talents. La cérémonie de récompense est annuelle et l'ordre comprend 3 grades, à savoir chevalier, officier et commandeur.
Le ministère de la Culture et du Tourisme a choisi un site culturel dans le Sanamatenga pour la décoration de plus de 30 récipiendaires. Ces hommes et femmes ont contribué par leur action au rayonnement de la culture burkinabé. Des artistes côtoyaient des travailleurs du ministère, des promoteurs culturels ou encore des journalistes. Adama Koulibaly. C'est le site des hauts fourneaux africains à Kaya, capitale de la région du Centre-Nord, qui a servi de cadre à cette cérémonie de décoration du ministère de la Culture et du Tourisme. Deux officiers et 35 chevaliers, c'est la composition de cette cohorte de l'Ordre du Mérite, des Arts, des Lettres et de la Communication. La télévision du Burkina était à l'honneur à travers deux journalistes, Évariste Kombari et Marguerite Douagneau, qui présentent des émissions bien appréciées, notamment Scènes et Villégiature. Les promoteurs culturels et touristiques, les managers culturels, les artistes musiciens, ce sont autant d'acteurs de la vie culturelle qui ont été distingués. Ah ouais, c'est vraiment un moment fort dans la vie de tout travailleur et c'est des mérites reconnus par les autorités et je crois que c'est une très 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 bonne chose, c'est une invitation à redoubler d'efforts et à continuer le travail. C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime aujourd'hui. Là je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont œuvré. Vraiment à ce qu'aujourd'hui on puisse me décorer. Après leur mérite reconnu, cette distinction est aussi et surtout une invite à tous les récipiendaires à persévérer dans la même dynamique pour le rayonnement culturel et touristique du Burkina Faso. Quelques-uns d'entre les acteurs de la culture et du tourisme se sont vus aujourd'hui distingués. Et cela, c'est la reconnaissance de la nation à tous les efforts qui ont été déployés dans leurs domaines respectifs pour faire en sorte que notre pays aille de l'avant, qu'il connaisse le progrès économique et social qu'il connaît aujourd'hui. Et en même temps, une invite aussi à toujours travailler avec abnégation, avec patriotisme pour nous permettre donc de relever le défi du développement. 10 agents du ministère de la Culture et du Tourisme appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des cadeaux pour tous leurs services rendus. Au nom des 37 récipiendaires du ministère de la Culture et du Tourisme, on retrouve deux journalistes, Évariste Kombari et Marguerite Douagneau, qui ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication. Ils s'expriment au micro d'Adama Koulibaly. Ils sont très satisfaits. Je voulais surtout dédier cette médaille à mon équipe, mais aussi à deux de mes consoeurs qui nous ont quittés cette année. Dire à Micheline Nava, qui nous a quittés en juin de cette année, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur l'émission. Je voudrais également dédier la médaille à Pélagie Savadogo, qui nous a quittés juste après le CITO 2013. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous recevons cette décoration. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a pensé à moi. Permettez-moi de dire merci à ses plus hautes autorités. Et permettez-moi aussi de dédier cette médaille à la direction de la télévision du Burkina Faso et à tous mes collègues que vous êtes, parce que sans votre appui, je ne serais pas là aujourd'hui avec cette médaille. Le 4e Forum national sur l'alphabétisation s'est achevé hier à Bobo-Dioulasso après des échanges pour l'atteinte des objectifs du Programme national d'accélération de l'alphabétisation. Mutualisons nos expériences et pratiques réussies était le thème. La rencontre a adopté des recommandations. Un engagement pour l'atteinte de l'objectif de 60% d'alphabétisés d'ici 2015 a été pris par les participants. Ouya Rokia Sanou. 4 recommandations sont sorties de ce 4e Forum national sur l'alphabétisation à Bobo-Dioulasso. Il s'agit du renforcement des capacités des acteurs du niveau central et déconcentré, de la décentralisation du Fonds national pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, de le mécanisme de généralisation des cartes communales d'éducation non formelle et de l'amélioration du mécanisme de collecte de données statistiques en la matière. Nous faisons beaucoup de choses au niveau de l'alphabétisation et si ces données ne sont pas collectées, bon, on ne peut pas en utiliser, on ne peut pas en profiter. La pertinence de ces recommandations ne souffre pas de débat pour le ministre délégué chargé de l'alphabétisation. Il rassure que le gouvernement maintiendra le cap dans ses efforts pour une mise en œuvre efficace du PRONA, Programme national d'accélération de l'alphabétisation. À partir de maintenant, nous ne fermons plus nos centres d'alphabétisation. Ils sont permanents. C'est-à-dire du 1er au 31, chaque individu peut aller à un lieu donné pour se faire alphabétiser. Ensuite, nous allons faire des efforts
pour essayer de multiplier le nombre de centres d'éducation de base et sensibiliser les populations afin qu'elles croient à l'éducation non formelle. Parce que la plupart des temps, c'est quand vous alphabétisez, on vous demande « qu'est-ce que je gagne ?» Mais il faut qu'on arrive à leur démontrer qu'en fait, qu'il y a un gain immédiat, mais il y a aussi un gain dans le futur. En attendant, les acquis du PRONA donnent déjà des motifs de satisfaction, cela après 3 ans de mise en œuvre. Nous nous réjouissons qu'à ce jour, nous avons près de 500 000 personnes sur les 1 million qui ont été alphabétisées. Et nous sommes sûrs et certains que même si nous ne sommes pas aux 60% prônés par le PRONA, nous sommes sûrs et certains que en tout cas, nous avoisinerons les 59%. Et cela, donc, nous en avons la certitude, avec la multitude justement des stratégies, notamment la formule enchaînée, qui nous permettent d'alphabétiser nos apprenants en 400 heures. Donc, ça veut dire que nous pouvons, en une année, faire 2 ou 3 cohortes. Ça a été un moment intense d'échange et de mutualisation de nos expériences et de nos pratiques en alphabétisation. Et nous, les Maliens, nous avons tiré un grand bénéfice. À l'issue de la lecture et de l'adoption du rapport de synthèse des travaux, les participants ont pris la ferme résolution d'œuvrer chacun dans son domaine pour qu'à l'heure du bilan, les résultats soient au-delà des attentes. Deux villages du Namentenga, Kwini et Nagbingu, viennent de bénéficier de centres de santé de promotion sociale, CSPS. Ces localités ont été choisies par l'association Centre de développement humain d'Italie pour abriter ces infrastructures sanitaires qui contribueront à coup sûr à renforcer l'offre de santé. Reportage Evelyne Dabiré. L'inauguration de ces deux CSPS, d'abord dans le village de Nagbingu, puis dans celui de Kwini, vient apporter un souffle de santé à la commune rurale de Kotolgom. Avant cet événement, les 16 000 habitants de cette localité ne pouvaient compter que sur le seul CSPS de la commune pour les soulager en cas de maladie. Je connais les souffrances auxquelles les populations étaient confrontées pendant certaines années, surtout en matière de santé. Et donc ces deux infrastructures viendront soulager largement toutes ces peines des populations, parce que comme vous le savez, la commune compte 14 villages avec des aléas climatiques qui ne permettaient pas à certains villages de rejoindre le CSPS, notamment la Grande Rivière qui coupait pratiquement la commune en deux. Mais ce spectre est à présent éloigné grâce à l'aide du Centre de développement humain d'Italie qui a choisi de venir en aide à ces villages. Et nous avons choisi le Namentenga parce que c'était la dernière province du Burkina. Nous avons choisi le Burkina parce que c'était avec l'Inde des développements humains, c'était les dernières ensemble au Niger dans le développement humain. Ce centre de santé de Kwini, ouvert en août 2013, a connu jusqu'à ce jour une fréquentation assidue avec près de 1200 patients auscultés en 5 mois, signe du besoin manifeste de santé de la population. Si ces infrastructures curatives et préventives rapprochent les structures sanitaires de la population, elles sont peu équipées et les doléances fusent, au nom desquelles un besoin en personnel et en matériel technique. Et le représentant du ministre répond. Pour les petites doléances comme les tables et autres matériels techniques, je crois qu'on pourra les satisfaire sans problème. Les grandes doléances comme les ambulances, je crois que ça demande une planification et le ministre de la Santé verra comment il pourra faire avec son collègue des finances pour pouvoir également les satisfaire. Des dons en matériel roulant et produits médicaux ont été faits et le Centre de développement humain de Silvano Orlandi compte à court et moyen terme normaliser le CG de la localité, former la population à l'élevage afin de faire de Kotolgom une commune modèle. Le Conseil national de concertation en nutrition s'est réuni hier à l'occasion de sa 5e session. Au menu des échanges, la mise en place d'une politique de sécurité alimentaire pour venir à bout de la malnutrition. Selon les rapports du ministère de la Santé, environ 4,8% des enfants de 6 à 23 mois reçoivent une alimentation minimale adéquate. Isaïe Parkouda. Selon une enquête nutritionnelle menée en 2013 au Burkina Faso, plus d'un million d'enfants de moins de 5 ans souffriraient de retard de croissance et plus de 400 000 de malnutrition aiguë. L'enjeu de la présente session du Conseil national de concertation en nutrition est donc de passer en revue les politiques de sécurité alimentaire, le plan de résilience et de soutien aux populations vulnérables. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 million de personnes qui souffrent de malnutrition chronique. Ce qui veut dire que c'est véritablement un problème de santé publique et
il était tout à fait indiqué que cette instance puisse se réunir régulièrement pour faire des propositions, mais également pour promouvoir tout ce qu'il y a comme idée dans le domaine donc, de la lutte contre la malnutrition. Cette rencontre relance la concertation entre les acteurs de la nutrition et la coordination des interventions multisectorielles. Une opportunité d'échange autour de la nutrition dont l'objectif est d'apporter des solutions à la malnutrition. La lutte contre la malnutrition ne doit pas se faire seulement au ministère de la Santé, mais c'est une lutte multisectorielle parce que les causes de la malnutrition sont aussi multisectorielles. Elles sont multiformes, mais elles se retrouvent en fait dans plusieurs départements ministériels. Par exemple, si vous prenez l'hygiène et l'assainissement, le manque d'hygiène peut entraîner des maladies qui vont influer directement sur la survenue de la malnutrition chez les enfants. La volonté de réduire la malnutrition sous toutes ses formes a conduit le Burkina Faso à adhérer au mouvement Scaling Up Nutrition en 2011 et à signer le pacte de la nutrition pour la croissance en juin dernier. Le Burkina Faso compte par ailleurs réduire à 25% la malnutrition chronique d'ici à 2020. Le jardin de la RTB, transformé en jardin d'Éden par l'école de formation professionnelle Nashmode. Cette école qui collabore depuis de longues années avec la RTB a consacré une longue séance de manucure, pédicure, de massage, de coiffure et de soins du visage aux agents de la RTB. Reportage Ramatou Zida. En l'espace d'une journée, le jardin de la télévision du Burkina s'est transformé en un salon de beauté. Journalistes, caméramen, techniciens et personnel administratif se sont offerts à cœur joie des séances de coiffure, pédicure, manicure, soins de visage et massage corporel. L'initiative est de Nashmode, un partenaire de la RTB. Nous voulons commencer notre activité par la RTB qui est notre partenaire. C'est pour ça que nous avons installé ce petit salon d'esthétique ici. Donc, c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année. Voilà, pour implémenter notre savoir-faire. Puis faire plaisir aux gens. Qui dit faire plaisir à quelqu'un, se faire plaisir soi-même. C'est un grand plaisir pour nous. Si les gestes de beauté sont le plus souvent attribués à la jeune féminine, les hommes, pour cette fois, n'ont pas voulu rester en marge. La RTB, c'est aussi la promotion de la qualité, de l'esthétique, de ce qui est beau, de ce qui est joli, plaisant à voir. Et cette action menée par Nashmode nous va droit au cœur en ce sens qu'elle permet aux agents pour une fois de laisser les équipements, les caméras et se rendre beaux parce qu'ils ont besoin aussi de faire savoir aux gens qu'ils sont beaux. Et Nashmode est en train de dévoiler ses côtés. Nashmode a décidé de passer la journée avec nous pour nous faire belles, les dames de la RTB, même les hommes. La beauté, c'est le bien-être. Voilà, quand on est... Même la beauté, comme on le dit, elle est relative. Ça se passe dans la tête. Pour qu'une femme soit belle, si déjà vous êtes bien coiffée, et puis le visage présente bien, vraiment ça passe quoi. Nashmode est une école de formation professionnelle d'esthétique et de stylisme. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, l'école s'est déportée dans l'enceinte du Senasa depuis le 19 septembre dernier afin de proposer une expertise à moindre coût à la population. L'activité se poursuit jusqu'au 24 décembre prochain. Fin du journal. Merci de votre fidélité. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.